Et salut à tous, c'est Ennio, on se retrouve aujourd'hui pour cette cinquième partie de Pokémon Outlaw. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, écoutez, merci de le demander. On se retrouve toujours à Carmin-sur-Mer après avoir passé l'épisode précédent, à peu près la moitié de l'épisode précédent sur le bateau, qui était un bateau très particulier, très dangereux, des gens très très dangereux là-bas. Je pense qu'on se dirige toujours vers un endroit très très dangereux, l'arène du Major Bob. Déjà que dans le jeu normal, c'était un type assez taré, là j'ai un peu peur de ce qu'ils ont fait de lui. On va voir, donc j'ai attrapé un mystère pour Coupe, parce qu'il n'y a que Sablero qui pouvait apprendre Coupe, si vous vous rappelez, et je voulais pas utiliser Coupe pour Sablero, parce que les attaques qu'il avait m'intéressaient bien, enfin elles étaient pas mal. Du coup, je voulais pas en gâcher une. Je voulais juste voir un truc aussi. Iron Tail. Ils sont plusieurs à pouvoir l'apprendre, j'avais regardé ça déjà l'épisode précédent. Je sais pas si ça vaut le coup, j'ai pas vu les retours du quatrième épisode, je l'ai posté pourtant juste avant de tourner cette vidéo, enfin, alors, il y a une heure ou une demi-heure en tout cas, je l'ai posté, mais j'ai pas trop le temps de lire les commentaires. Du coup, je sais pas ce que vous m'avez dit, peut-être par rapport à queue de fer. Ça peut être pas mal, mais après pour le type électrique, ça va pas servir à grand chose. Bon, on va voir. On va voir pour l'instant. Attendez, c'est toujours le même système que dans Rougecheveux ? Ah non, il n'y a pas le système des boutons à trouver dans les poubelles. Ah merci, merci d'avoir enlevé ça. C'était vraiment l'arène la pire pour ça. Mais vraiment, c'était terrible. Bon, on va laisser Ferrosinge devant, parce qu'en plus, j'aimerais bien le faire évoluer. Et puis là, il est à deux doigts de monter de niveau. D'ailleurs, j'aurais pu lui faire monter de niveau, hein, 24. Bon, c'est pas grave. Là, je pense que ça va le faire. Ouais, bon, ça va, il met KO du premier coup. Bon, c'est un Pikachu, hein, il est assez faible. Pikachu, on est d'accord, hein, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Je sais pas si... Est-ce que vous aimez Pikachu? Je connais... J'ai deux amis. Enfin, j'ai plus que deux amis. Mais j'ai deux amis à propos de Pikachu, des fois, qui se disputent un peu. J'ai un ami une amie qui déteste Pikachu. Et l'autre, au contraire, il adore. Il regarde des défilés de Pikachu sur YouTube. C'est terrible. Bah, il est allé au Japon, je sais plus. Ah non, il avait loupé. Quand il est allé au Japon, il avait loupé la parade des Pikachu, je crois. Il y avait une sorte de parade ou de fête Pokémon, je crois. Et il l'avait loupé quand il a passé une année au Japon. Pas bon. Du coup, voilà, je vois Pikachu, je pense à eux. Enfin bon, moi, Pikachu, j'ai pas trop d'avis. Je l'aime pas particulièrement. Il est mignon, ouais, bon. On le voit trop. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. On le voit trop. On va continuer, hein. Si avec des Pikachu on n'a pas trop grand chose à craindre. Par contre, je vais refaire le truc de j'achète des objets avant de perdre mon argent en combat. Parce que j'ai pas trop. Oh putain, j'ai 14 000 hein, finalement. J'arrive à bien économiser. Alors qu'est-ce que je prends peut-être là pour. Ah, il n'y a pas de. Avec des antidotes, il n'y a pas d'antipara. Bah, je vais acheter des total soins. Écoute, c'est un peu dommage, mais. Je vais en acheter une dizaine. Ça va, j'ai pas mal d'argent. Et des super potions. 5. Et je vais racheter un peu 5 Pokéballs. Des antidotes, j'en ai pas besoin pour l'instant, c'est sûr, mais au moins ça sera fait. Et des huiles, allez. Hein. On a toujours besoin d'huile. Et un dernier truc. Je vais essayer de tout utiliser. Et une dernière Pokéball. Voilà. Alors on a 64 Pokédollars, on peut vraiment rien faire. Je me demande comment on est arrivé à 64 Pokédollars d'ailleurs. Ah, mais peut-être que les dresseurs ils nous donnent pas des sommes rondes, genre, ou qui finissent par 5. Je crois que c'est ça. Ou alors quand on vend un objet. Mais non, quand on vend un objet, c'est la moitié d'un truc qui finit par 0, au pire ça fait 5 ou 0. Bon. Quand j'étais dans l'armée, le Major Bob était mon commandant. C'était une ordure, une complète ordure. Très bien. Mais attends, mais Major Bob, il est pas plus jeune que toi? Ok, bon, peu importe. Hein. Allez, Pikachu, voilà. Coup critique en plus, tant mieux, on ne s'est pas fait paralyser. Ok, bon, on est déjà au Major Bob, on y va direct. Et gamin, mais qu'est-ce que tu penses que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois faire ici? Tu ne peux pas survivre en temps de guerre. Seul un vrai homme est capable de le faire. Mes Pokémon électriques m'ont sauvé durant la guerre. Ils ont zappé, enfin électrocuté mes ennemis et les ont envoyés au cimetière. Je ferai la même chose avec toi. Ok, je suis un gamin, il veut tuer un gamin. Gratuitement, pourtant je l'ai pas mal parlé. Ah, niveau 21, c'est tout. Bah attends, mais Ondine, elle avait les mêmes Pokémon, enfin au niveau des niveaux, elle avait les mêmes Pokémon. Je vais peut-être même pas avoir besoin d'utiliser Sablero durant ce combat, ça se trouve. Bon, peut-être pas. Alors on va faire un coup de griffe, comme ça, casse-brique, ça mettra KO, parce que là, vu que ça l'a mis dans le rouge, au moins il réutilisera pas de potion. On va faire griffe et casse-brique. Ouais, ça fait pas mal, griffe, ça fait assez mal. Sonic Boom, très bien.
Là, ça c'est les seules attaques qu'ils pourront me faire si je fais Sablero. Mais je pense pas que j'aurai à l'utiliser. Parce que même je peux mettre Kadabra. Quoique sur. Sur Raichu, je pense qu'il a toujours son Raichu. Pikachu. Bon, on va laisser Pikachu. Je pense qu'il aura. Pikachu niveau 18. Mais même ceux des dresseurs de l'arène, ils étaient meilleurs. Je comprends pas. Et pourquoi ils ont fait un major Bob si mauvais? Enfin, je suis limite déçu. J'aurais bien aimé perdre une ou deux fois. Ça m'aurait rassuré. Raichu. Bon, allez, on va laisser Ferro-Singe. Raichu niveau 24. Ouais, je suis un peu déçu. Parce que là, je pense qu'avec Casse-Brique, je le mets KO du premier coup. Vu qu'il est pas très très fort en défense. Je pense que je le mets KO du premier coup. Ah non, même pas. Bon, on refait Casse-Brique. Ah, onde de choc. Ok. Ouais, coup critique. Bon, je pense que j'aurais peut-être pas survécu quand même. On va mettre Sablero. Là, je vois pas ce qu'il va me faire. Il doit peut-être avoir Vive Attaque. On va faire Tunnel, nous. Voilà, Vive Attaque. On va faire Tunnel et ça ira. J'aime bien le design de Sablero. Dans deux dos, on dirait qu'il se prépare à attaquer. C'est plutôt stylé. Faire. Ah, excusez-moi, petite coupure. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Et ah, il avait fait reflet tout à l'heure, je crois. C'est pour ça. Écoutez, on va faire directement tranche. Parce que de toute façon, ça sera suffisant, tranche. Bah, si on arrive à attaquer, bien sûr. Mais voilà, tunnel, ça fait un tour de plus pour rien. Et puis il pourra nous faire que vive attaque dans tous les cas. Bah, coup critique, sac, tranche, c'est un taux de critique élevé. Vous voyez, là, on dirait qu'il vraiment, il se prépare à attaquer Sablero. Je le trouve stylé de dos. 627, très bien. Major Bob. Now that's bull. Je sais pas ce que ça veut dire. T'as eu de la chance, gamin. Bien, allez, prends ce badge foudre. 2400, c'est très bien. Ah bon sang, j'ai perdu contre un gamin, je suis tellement pathétique. Putain. Ouais bon, j'en voudrais peut-être pas dire directement ça, mais vous voyez. Tes Pokémon sont plus rapides désormais et ils peuvent apprendre vol. Tu peux avoir cela. Ça doit être onde de choc, je pense. Shockwave. Oui, c'est ça. Et quoi? Il me saute Noël, mais attends, et comment il. Ouais, on n'est pas encore Noël, mais on n'est pas très loin de Noël, peut-être qu'il le sait. Il me dit d'être un tueur, désolé, je sais pas. J'ai passé vite le dialogue, j'ai lu sans le dire à l'oral, excusez-moi. Donc il nous disait d'être un tueur. Je crois qu'il disait dans ce monde, enfin, t'es un tueur ou t'es je sais pas quoi. Enfin, j'ai vu le mot killer deux, trois fois. T'es un tueur ou t'es je sais pas quoi. Donc il nous a dit d'être un tueur. Écoute, j'aime bien un jeu où, bon là, pas dans ce jeu là, on est un gamin seul qui. Et c'est nous qui sommes la victime. Mais j'aime bien un jeu où on joue le méchant. C'est bon, un tueur, je sais pas, mais. Un méchant, moi j'aime bien. Enfin bon, des fois ça peut faire du bien. Alors, maintenant, je sais plus trop où il faut aller. On va garder Mister B avec nous, hein, parce que. On aura un peu besoin. Si on a, je crois qu'il y a d'autres arbres avec coupe. Je sais pas s'il faut retourner à Azuria en haut, à l'est ensuite. Je crois qu'il y a un petit arbre. Là, il y a la cave Topicker juste ici. Là, il y a quelques dresseurs à faire. Mais après, est-ce qu'il faut continuer? Je sais qu'il y a une porte, genre entre une route et une ville. Je sais qu'il y a un truc comme ça. On va lui faire rapidement le tunnel. Mais je sais plus si c'est la bonne direction. Rouge feu, c'est pas le jeu auquel j'ai pu jouer. Emeraude. Dans un jeu basé sur Emeraude, en tout cas qui reprend à peu près la région Emeraude. Pas comme Emeraude plus, j'ai pas été. Enfin, j'ai jamais été perdu, mais Rougefeu, je suis souvent un peu perdu. Ah, il y a pas mal de dresseurs, je sais pas si on va tous les faire en vidéo. Peut-être que. Oh, un super bonbon, pas mal ça. Voilà, on en a fait un, je retournerai les faire hors vidéo, je pense. Oh, corde de sortie. Je retournerai les faire hors vidéo, on va en faire d'autres de combat, vous inquiétez pas. Tiens, on va le mettre KO comme ça, ça va nous faire monter de niveau, je pense. Un soporifique, c'est pas mal aussi. C'est dans Light Platinum, je crois que j'avais un Hypnomade. Ah, attends, j'ai vu une ball ici. C'est Total Soin, très bien. Très très bien. On va partir par là. Ouais, ils nous arrêtent pas de toute façon, les gendarmes. Je vais quitter les forces de police. Nous ne faisons rien. Nous sommes corrompus. Et nous servons un gouvernement worthless. Comment c'est déjà worthless? Je sais plus. Sans mérite. Ah, je sais plus. Ce job a ruiné ma vie personnelle. Ma femme me trompe avec deux gars sans valeur, on me dit à l'oreillette. Très bien. Pour Worthless, ma femme me trompe avec deux gars et deux filles, tout en même temps. Très bien, le pauvre. Ah, et bah, c'est triste pour lui. Je trouve ça drôle, c'est terrible. Bon,
C'est l'assistant du professeur Chen. J'avais totalement oublié qu'il était là, mais je suis allé vers lui en mode je savais ce que je faisais. Tu te souviens de moi? Je suis un des assistants du professeur Chen. Si ton Pokédex a enregistré plus de 30 espèces, je suis supposé te donner une récompense. Le professeur Chen m'a fait confiance pour te donner ce cherche-objet. Donc, victime, laisse-moi te demander, est-ce que tu as rassemblé les données d'au moins 30 Pokémon? Non. Bah, si je lui dis oui, voyons voir. Tu as attrapé seulement 8 Pokémon. Ah, mais je crois que c'était voir, au moins voir. Ah bah non, si on les attrape pas, on peut pas récolter les données. Ça doit être pour ça. Très bien. Route 11. Route 12. Ah, là, il y a le ronflex. D'accord. Ok, donc on doit retourner, à mon avis. Soit pas... Ah, on va peut-être tester avec Aftopicker. Soit ça, soit on retourne à Azuria. Excusez-moi. Je suis désolé. Hein. Je suis pas l'expert de Rougefeu, de Kanto. Ouais, on va tester... par contre, j'ai pas envie d'avoir... des Pokémon sauvages, des Topiqueurs et compagnie tout le long. J'ai un seul repousse, j'en ai acheté. Ah mais j'ai plus d'argent pour m'acheter des repousses maintenant. Ah, si, je crois que j'avais si avec l'argent de l'arène. Je vais pouvoir m'en acheter. Ouais, 4400, c'est pas mal. On va s'en acheter, ouais, une dizaine. Hein. J'ai racheté pas mal d'objets tout à l'heure. On n'aura rien besoin d'autre. Et les repousses, ça pourra toujours nous servir. Je vais essayer de pas tous les utiliser dans cette grotte. Là, par exemple, on va au moins voir... au moins voir ce qu'on trouve comme niveau, ce qu'on trouve comme Topiqueur. Ou s'il y a des Topiqueurs aussi dans cette cave, je crois. Je suis pas sûr. Par contre, je cours depuis l'entrée de la grotte et j'ai toujours pas croisé de Pokémon. Parce qu'il me semble avoir vu un jour que quand on courait dans une zone, on avait plus de chances de rencontrer des Pokémon sauvages. Avec Griff, je le mets KO. Bon, ça va, au moins ça nous fera un petit peu d'entraînement. On va pas les utiliser tout de suite, les repousses. J'en ai acheté, ça nous servira plus tard. Voilà, très bien. Je sais plus où ça nous fait atterrir, ça. C'est pas vers Argenta? Genre juste à la sortie, ce qui était avant, en tout cas la sortie de la forêt de Jade. Je crois qu'à droite, il y avait un petit arbre où on pouvait faire coupe. Et juste derrière, il y avait un mini bâtiment, genre... bah pour ensuite... Ah non, bah non, Captopicker, c'est une entrée de grotte, c'est pas un bâtiment. Bah, ou alors il y avait une entrée de grotte, je sais plus, je suis pas sûr. Écoutez, on va voir, mais il me semble que c'est Argenta. Oh, bah attendez, si c'est Argenta... Si on peut retourner à Argenta, je vais aller voir le Kaiminus que vous avez été nombreux à me dire qu'on pouvait en acheter un. Mais comme je pouvais plus y retourner, parce qu'à Azuria, on était bloqué en remontant. Parce qu'il y a des petites falaises qu'on sautait pour aller à Azuria. Du coup, on peut pas les franchir en sens inverse. Du coup, j'étais bien embêté. Hein. J'étais bien triste parce qu'un Kaiminus, ça aurait été cool. Ah non, il n'y a pas de sortie. Mais toi, qu'est-ce qu'il fait le type, lui, c'est qui? Il a fait tunnel pour venir ici. Non. Ah, je suis déçu. Ah, peut-être que dans le jeu originel, on peut faire ça. Ah, je suis déçu. Je suis un peu triste. C'est pas grave, je vais m'en remettre, hein, j'espère. On va quand même retourner jusqu'à Azuria, du coup. C'est pas très très loin. Là, j'entraîne un peu Ferro-Singe, parce que même s'il faut que je le fasse prendre un peu d'avance, j'aimerais vraiment qu'il évolue en Colo-Singe. Donc ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir à tout le monde. Et puis, pour les prochaines arènes, ça peut toujours aider, quoique... Attends, je vais voir la carte. Je me rappelle même plus l'ordre des arènes. Ah non, la prochaine arène, c'est Erika, non? Non, non, c'est pas... Morgane? Par contre, contre Morgane, c'est toujours la reine la plus galère. Les arènes psy, et même dans Owen, c'était... Pour moi, c'était la reine la plus difficile. Et j'ai rien pour combattre ça, en plus. Enfin, je suis pas sensible... À part Ferro-Singe, je suis pas particulièrement sensible aux attaques psy, mais ça fait tout le temps très mal, quoi. Bref, alors... Là, Azuria, si on allait à l'est... Rock Tunnel, l'usine, là, la centrale, l'avant-ville, c'est vrai, et c'est en passant par l'avant-ville qu'on va à Safrania, je crois. Là, il y a Céladopole. Ici, ça doit être Fuchsia City, je sais pas ce que c'est. Mais non, Cramoisine. Fuchsia City. Je vois pas. Attends, mais non, je suis bête. Ah non, nous, on était à... Oui, Vermignon. Fuchsia City, je vois plus, c'est quoi cette ville? Ah, c'est terrible. Bon, c'est pas grave. On remonte du coup en direction d'Azuria. Normalement, c'est donc ça, oui, je les ai fait les épisodes précédents, enfin entre les deux épisodes précédents, donc ça va plus poser de soucis. Et juste vérifier quelque chose, on est toujours bloqué si on passe par ici, oui. Donc on peut toujours pas aller à Safrania. Donc, faut bien aller à Azuria, ça va nous faire prendre un des ponts, enfin, vers les ponts qui sont le long du chenal. Il me semble que c'est ça.
J'ai quelques souvenirs quand même de Rushwood, quelques souvenirs. Mais bon, c'est pas le jeu, ouais, pas le jeu que je connais le plus encore une fois. Ah, ah non, non, j'ai cru qu'il y avait d'autres personnages qui étaient pas là avant. Voilà, ici. C'est cet endroit que je pensais. Route 9 en plus, ça paraît. Ouais, ça me paraît pas illogique. J'espère qu'on pourra revenir après en arrière. Bon, allez, on laisse faire au singe devant. Comme ça, on aura un beau colossinge. Ouais, bah, par contre, peut-être pas contre des mystères. Ça reste peut-être un peu compliqué. Enfin, ça va faire durer le combat un peu longtemps pour rien. Donc, on va mettre à passe de pique. Où j'ai Kadabra. C'est vrai que j'y pense pas trop. Là, on l'a pas encore vu aujourd'hui. Mais j'ai toujours mon petit Kadabra hein, qui peut combattre. Belle Sprout. Bon, allez, on va mettre Kadabra. Bientôt niveau 25 en plus, je ne me rappelle plus, mais... s'il y a trop de dresseurs, on fera une petite pause, parce que j'aimerais qu'on avance un petit peu plus dans le jeu. On en fait quand même des combats, dans tous les cas. Soit ça peut être pas mal. Alors, je vais enlever choc mental, je pense, parce qu'on a Rafale Psy. Soit ça peut être pas mal utile, quand même. Donc je vais le prendre. Allez, encore un mystère ou un bel Sprout, là. Ah, il y a Prout, c'est drôle, hein. Je suis un gamin, j'ai 3 ans. Dans ma tête, c'est pas grave. Bon, Bellsprout, qu'est-ce que je disais? Alors, pareil, il aura droit au même traitement. Voilà. 324, c'est que ça donne de l'expérience. Hein. Ah, tiens, une boule. Qu'est-ce que c'est? Eh, j'ai oublié que... Oh, aéropiqué. Ça, c'est pas mal. Hein. Bon, j'ai pas de Pokémon vol, mais ça, c'est aéropiqué, c'est attaque que tout le monde peut apprendre, quasiment. Ah, non, pas tout le monde. Mais si, j'ai pas de Pokémon vol, j'ai un rapace de pique, je suis con. J'avais oublié. Alors oui, je vais totalement apprendre à aéropiquer à la place de... Pouf, ouais, ben genre le pic-pic hein. Ouais, mais je regardais les autres écoles. Fury, ça peut toujours servir. C'est jamais. Voilà, bah, c'est une bonne chose de fait. Parce que pic-pic, voilà, c'était pas la meilleure attaque. Ça réussissait pas tout le temps. Et puis alors qu'aéropiquer, ça réussit tout le temps. Donc, ma choc, on va s'en occuper avec Ferro-Singe. J'ai dit Mélo-Singe, je vais faire un mélange de Mélo-Fée et de Ferro-Singe, je sais pas pourquoi. Oh, Frappe Atlas. Ça c'est pas mal. Frappe Atlas, c'est l'attaque, tu fais autant de dégâts que t'as de niveau, genre comme Ténèbres. Qui n'est pas une attaque Ténèbres, mais bref. Une attaque de... Oui, c'est ça, ça fait autant de dégâts que le nombre de pas de PV de niveau. Donc... Focus énergie, c'est vraiment l'attaque que j'utilise jamais. Je vais enlever Focus énergie, tant pis. Je sais que ça fait des coups critiques, mais... Enfin, si tu prends un coup critique, ça fait deux fois plus de dégâts. Donc si tu prends le temps de faire puissance plus une attaque derrière, tu fais deux fois la... Enfin, et tu fais coup critique derrière, bah tu fais deux tours. Et en deux tours, tu as le temps de faire deux fois l'attaque. Enfin, je sais pas. Du coup, moi, j'aime pas trop cette attaque. Je sais pas utiliser, en tout cas... Et puis, je sais pas si ça donne, ça augmente les taux de critique juste pour l'attaque d'après ou si ça reste sur tout le combat. Puis même si ça fait un coup critique, tu bats le Pokémon, voilà. Mais que c'est un Pokémon après que tu peux pas battre avec ce Pokémon-là, genre, je fais avec après Onyx, là après il y avait un Kadabra. J'allais pas les faire mon Ferro-Singe, donc la puissance finalement elle sert plus à rien. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que j'aime pas trop cette attaque, que je suis pas le seul non plus, je pense. Mais tout ça pour dire que voilà, pourquoi je l'ai enlevé, je me justifie. Un caillou. Allez, on met KO. Allez, bientôt niveau 28, puisque ça va le faire, je pense, dans cet épisode. Onyx, c'est pas mal. Ce serait bien qu'il y ait un peu plus de montagnards. Oh, je l'ai pas mis KO. Je suis choqué. Tiens, allez. Frappe Atlas, juste pour le plaisir. Pour l'essayer, vu qu'on l'a appris. Aujourd'hui. Anti-brûlure. Je sais plus comment ça le nom français de cet objet, mais c'est pas grave. Alors. Allez, on va mettre un rapace de pique là. Ah, il y a un autre ramontagnard juste au-dessus. Caterpie, très bien. Ouais, je vais faire aéropiquer sur un Caterpie. Super, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Weedle, super. Mais je comprends pas qu'il soit si mauvais. Parce que là, il nous pousse pas à entraîner nos Pokémon. Parce que déjà, si on a battu l'arène du Major Bob, c'est qu'on avait des Pokémon pas trop mal. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent des vieux Pokémon comme ça? Ah là là. 321, très bien. Et là, on va remettre le montagnard. Enfin, on va remettre Ferro-Singe parce que du coup, il y a un montagnard. Ils aiment beaucoup rigoler dans cette route, j'ai l'impression. Ok, Géodude. Ah, ce sera... Ah, bah sinon, au pire, j'utilise mon super bonbon. Hein. Parce qu'il va monter niveau 27, c'est sûr, mais...
Niveau 28, alors est-ce que j'utiliserai pas au super moment pour autre chose? Parce que au début j'avais regretté de les avoir utilisés trop vite. Donc ah, j'ai envie d'utiliser tout de suite, écoutez. Faut profiter de l'instant présent. Donc on va faire ça tout de suite. Et puis comme je voulais que ça se fasse dans cet épisode, au moins on n'attend pas plus longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il est où mon rare candy? Il est en bas, voilà. Et c'est un super bonbon que j'ai obtenu honnêtement, je tiens à le préciser. Parce que hein, j'ai pu utiliser des codes dans, par le passé. Hein. Mais là je l'ai obtenu en toute honnêteté de mon travail. Bref. Oh, j'aime bien la musique. On dirait qu'il va se passer un truc de fou. On sait ce qui va se passer, mais. Colossinge. Il est beau Colossinge, j'aime bien. Je l'aime bien. Je crois que j'en ai déjà eu un. Pas dans un let's play que j'ai fait sur ma chaîne, mais. Dans un autre truc. Puis il fait plus énerver, Ferro-Singe, c'est le singe tout mignon. Là, Colossinge, ça fait le singe qui essaie de faire genre, il est. C'est un gros dur, mais on sent qu'il est. Il est tendre à l'intérieur. Funny. Non, pas du tout, j'ai pas du tout envie d'apprendre cette attaque. Donc, continuons. En direction de. Je sais pas quoi, mais. On continue. Ah, du coup, on a Colossinge devant. Alors, ah, contre Amiaous, tiens. Parfait. Pareil, là, on sent qu'il est prêt à donner un coup de poing, le Colossinge. Moi, j'aime bien ça, les Pokémon qui ont de la niaque. Non, de la hargne, de la niaque. Non, ça se dit de la niaque, oui. Je sais plus. Bon, du coup, il a pris 3 niveaux d'avance sur tout le monde. On va mettre. Kadabra devant. Allez. Route numéro 10. Et je vois pas où. Ah oui, ici, on est au-dessus de la centrale. Ah, il y a un seul Pokémon ici, j'ai oublié. Ok, je vois qu'il y a encore un arbre, donc on est au bon endroit, je suppose. Et si vous voulez m'aider hein, dans les commentaires, vous me dites après la centrale ou après ça, faut que t'ailles là-bas. Je ne dis pas non plus peut-être tout d'un coup, mais ouais, si vous voyez que je suis en galère. Oh. Ah, mais attends, pourquoi il y avait un arbre là? On peut contourner. Bon. Je sais pas pourquoi il y avait cet arbre. Je sais pas si c'était comme ça dans le jeu originel, mais. Kadabra, Rafalpsy, Pikachu. Voilà. On verra comment ça finit. Oh, Clefairy. On n'avait pas encore vu depuis le début. Ouais, Rafalpsy, c'est vraiment puissant. Oh, ça l'a pas mis KO, je suis dégoûté. Oh non! Berceuse. Oh, je suis dégoûté. Ah, par contre, j'ai que. Ouais, j'ai que. Rafalpsy pour attaquer, du coup. Mais bon, c'est pas grave, hein. J'en ai pas besoin de trop d'autres attaques. Mais ouais, sinon j'ai 3 attaques non offensives. Bon. Mais bon, c'est des attaques utiles quand même. On va pas cracher dessus. Après tout mon entraînement. Ok, bon, on y va direct dans la grotte. Rock Tunnel. Ah ouais, mais il faut Flash, mais je sais pas où on le récupère, Flash. Je sais même pas qu'il y avait Flash dans Rouge-Feu. Je me rappelle de Flash où on l'obtient dans Emerald. C'est avec ça que j'ai joué comme jeu de toute façon. Donc, écoutez, on va faire comme ça. La technique, c'est de toujours longer le mur du haut. Enfin, technique, c'est pas une technique que genre j'ai développée, que j'ai étudiée pour développer cette technique, hein, on est d'accord. Mais c'est celle que j'utilisais dans les grottes où j'avais pas Flash et j'avais pas envie de retourner je sais pas dans quelle ville pour avoir Flash. Donc j'ai développé cette technique. Oh, des repousses. Oh, la technique du repousse. Enfin, c'est pas une technique en fait, c'est un objet qu'on utilise, c'est tout, mais bref. Alors, ok. Mais au moins on sait qu'on peut pas. Enfin, si ça marche bien cette technique. Oh non, il y a des dresseurs. Rumble, c'est. Je sais plus ce que c'est déjà. Je sais plus ce que c'est pas grave. Bon, on va les amener niveau 28 les uns après les autres. Voilà. Très bien. Ensuite, Slowpoke. Je vais peut-être changer. Donc, j'ai qui peut combattre un Slowpoke? Bah, je vais mettre un passe de pique. Quoique, il aura bien pu le faire. Vous allez me dire comment il s'appelle. Ah, purée, j'ai déjà oublié. Ah non. Non, j'aurais dû changer, je suis bête. Ah bah oui, je vais dormir maintenant. Ah bah oui, c'est dommage ça. Attendez, j'utilise un total 100. Ah, j'ai 12 total 100, on va l'utiliser. Ah oui, Kadabra. Ouais, mais non, psy contre psy. Je sais pas ce que ça fait, psy contre psy. Donc, peut-être qu'on a bien fait de mettre rapace de pique, je sais pas. Bref, peu importe. 1104, il est généreux. On repart sur le mur du haut, on remonte. Et je vais pas accélérer, je vais courir, je vais pas accélérer. Voilà, par contre, y a pas trop de murs. Éclatroc. Ah, mais j'ai pas Éclatroc non plus. Puis on nous a pas parlé d'Éclatroc. Ah, je peux pas l'éviter lui. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Si on croise encore d'autres dresseurs, c'est qu'on est peut-être sur le bon chemin. Kadabra. Alors, je vais faire Rafalpsy. Il me fait Disable. Bah, c'est ce que j'avais prévoyé de faire justement. Je lui disais, je sais pas quelle attaque il va faire, mais ça me fait des dégâts. Je lui fais Disable.
Oui, il est confus. Oh, pour une fois que je rends les gens confus, c'est rare, hein. C'est rare. Quoique je l'ai pas fait dans l'épisode précédent. Je sais plus. Je suis épuisé. Ouais, c'est épuisant cette grotte, tu m'étonnes. Repousse fini. Oh, il a duré longtemps, j'ai l'impression. Mais comme on a fait les combats, du coup, ça a duré forcément plus longtemps. Alors, on continue, non, on continue tout droit. Ah, je l'ai pas vu. Je ne viens pas souvent ici, mais quand je viens, je préfère trois petits points. Bon, on aura sûrement la suite du truc si on l'a bat. Hein. Ce qui va arriver, bien sûr, puisqu'il y a un mystère niveau 22. 67, très bien. Et oh, bug bizarre. C'est bien ça. C'est pas souvent qu'on envoie des starters non plus, que les dresseurs ils ont des starters, alors que on dirait qu'ils sont uniques, genre il n'y a que les gamins qui peuvent avoir ce Pokémon. Mais non, quand même. Alors. Eh, j'oublie que j'ai des huiles. Ah, attends. Ah, on l'a pas rencontré lui. Qu'est-ce que tu connais à propos des cosplays de Pokémon? Ah, est-ce que tu connais? Non, est-ce que tu connais pas? Qu'est-ce que tu connais? Ah bah tiens, Salamèche, on va peut-être rencontrer un type avec un carapuce, je sais pas. On verra bien. On va peut-être lui donner. Ouais, je pense que je vais lui donner une huile. Ou alors je vais combattre les autres. Je sais pas. Ah, je voulais monter niveau 28. Ouais, il est bientôt niveau 28 après, donc ça va. Et il nous donne beaucoup d'argent en plus, donc on peut se racheter facilement des huiles. Ça, c'est vraiment un point positif que je trouve d'avoir mis des huiles dans le jeu. Je trouve ça top. C'est tellement bien. Tellement, tellement. C'est le jeu, c'est l'objet, hein, des meilleurs objets quand même. Voilà, Raphaël Psy. Merci, Kadabra. 460, très bien. On continue 900. Et ils sont plutôt généreux dans cette grotte. Hein. C'est un bon spot. Hein. Alors, oh, cette échelle, elle m'a l'air de mener à la sortie. Ah non, pas du tout. Est-ce que je peux revenir en arrière là? Non, je crois pas quand même. Je suis pas un idiot comme ça non plus. Hein. J'espère. Je sais pas. Écoutez, peut-être. Geodude. Voilà, ça sera suffisant pour le faire monter de niveau. Ah, mais par contre. Combattre même avec Sablero, je sais pas trop comment je peux combattre les géodudes, parce que je peux faire tunnel, mais c'est long un peu. Ouais, bientôt niveau 28. Ah oui, je vous ai dit, pour faire évoluer Kadabra en Alakazam, il faut qu'on trouve une pierre lune. Donc pour l'instant, bon, on n'a pas de pierre lune, mais je l'aurais pas fait évoluer maintenant non plus, je pense. Je sais pas s'il apprend. Je sais pas s'il apprend psycho lui-même, Kadabra. Faudrait que je me renseigne. Parce que si je. Ah mince, j'ai fait Fury. Pourquoi j'ai fait Fury? D'accord, j'ai jamais fait Fury de ma vie. Mais... Enfin, avec ce Pokémon là, depuis qu'on l'a, j'ai jamais fait Fury, mais là tout d'un coup j'ai fait Fury. Bref, oui, comme normalement il évolue par échange et que là on le fait évoluer par pierre, est-ce qu'il y a quand même, hein, le souci avec les pierres de. Il apprend plus d'attaque après qu'on les fait évoluer, quoi. Je sais pas. Bon, est-ce qu'on s'approche de la sortie, vous pensez? Ah! J'ai aucune idée d'où je vais, c'est terrible. Ça se trouve, j'ai pris plusieurs fois la même échelle. Je n'ai pas conscience et. Oh! Ah bah non, c'est un dresseur qu'on n'a pas rencontré, donc a priori, c'est un chemin qu'on n'a pas fait. Ah, c'est quand même un peu agaçant là, les endroits comme ça. Mais bon, Flash, à aucun moment on m'a dit où le trouver, on me l'a pas donné. Les champions d'arène, en plus, ils m'ont jamais parlé. Major Bob, quand je l'ai battu, il m'a dit que c'est vol qu'on pouvait utiliser, donc même. Même si on avait Flash, on ne pourrait pas l'utiliser en dehors des combats, je pense. Et puis elle m'a parlé de Flash, je sais plus qui m'a parlé de Flash avant d'entrer dans la grotte, non? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a parlé de Flash dans un dialogue, je sais plus. Enfin bon, Sophia, au revoir. Alors, est-ce qu'on descend? Ouais. Mince. Et. Mince, c'est pas de l'huile, non. Voilà, repousse. Je sens qu'on approche de la sortie. Oh! Oh non! Ah non, je croise devant un type qu'on a déjà combattu. Ça, c'est très mauvais. Parce que ça veut dire qu'on est déjà passé par là. Ah non, j'ai envie de pleurer. Ah, je ne pleurerai pas. Ah non, ah bah si, c'est positif. Quelqu'un qu'on n'a pas battu. Qu'on n'a pas combattu, en tout cas. C'est très très positif. Ouais, non, on va pas combattre. On va pas se casser la tête. Colossinge vient là. Lance-boue. Ça, c'est vraiment l'attaque que j'ai jamais vu utiliser. Enfin, je sais pas si ça s'utilise vraiment bien en combat, en stratégie ou quoi, mais c'est le genre d'attaque qui m'a l'air inutile. Enfin bon. Ah, on va voir après ce type si c'est un approche de la sortie. J'espère vraiment, parce que là, je n'ai pas d'idée, parce qu'on peut pas aller en dessous et puis revenir en arrière pour aller où après, je sais pas. Donc j'espère vraiment que plus loin c'est la sortie, ou qu'en tout cas ça nous mène à un autre étage, ou je sais pas. Et si on va en haut. Oh, un type. Très bien. Il y en a des gens.
peut-être vous laisser un moment, parce que, enfin, vous laisser, faire une petite pause pour faire le dresseur. Ouais, mec, faut quand même que je vous montre le chemin pour sortir. Après, je vous montre le chemin pour sortir. Vous utilisez la même technique que moi. Là, vu qu'on voit rien, tout ça, je vous ai pas vraiment montré un chemin. Je vous ai pas dit, faut passer par là, mais au moins, vous voyez à peu près. Au moins, les dialogues des gens que vous rencontrez, si c'est ceux qui sont plus proches de la fin de la route, fin du tunnel. Au moins, ça, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, moi, je vois ce que je veux dire. Je me comprends, c'est déjà bien. Je suis jaloux, très bien. Ah, je pense avoir des fourmis dans les mains, c'est terrible. On va mettre une super potion. Et je vais mettre une huile à aéropiquer tant qu'ils montent jusqu'au niveau 28. Ah, une échelle. Non, on n'est jamais venu ici, hein. ça me dit rien. Il me semble pas qu'on ait atterri à un endroit comme ça. Ah ouais, mais dès que j'enlève pas, dès que je mets pas un repousse, quoi que j'aurais pu mettre KO. Alors, ouais. Pire. Je vais peut-être faire une mini coupure au moins pour faire les dresseurs et je vous reprends. Parce qu'on est déjà à 31 minutes. Ça fait, on a fait que du tunnel. On a fait plus de la moitié de l'épisode en tunnel, donc c'est pas ouf. Allez, je fais une mini pause. C'est bon, j'ai trouvé la sortie, donc je vous reprends le dresseur que à l'endroit où on avait affronté le dernier dresseur en vidéo. Donc c'est sur la gauche, vous allez sur la gauche, vous descendez ensuite, là ce dresseur vous le passez, vous descendez. Et ça normalement ça devrait être la sortie. Et on atterrit, route 10, ah on n'est pas au-dessus de l'avant-ville. Attendez, je vais voir la carte. Ah ben oui, parce que la centrale on y accède par surf, si je dis pas de bêtises. La centrale est juste au-dessus. Et là, on arrive à l'avant-ville. C'est ça. Bon, il y a tous des gens là que je ferai. C'est des dresseurs, je les ferai avant le prochain épisode. Parce qu'on a déjà fait assez de combats là. Et je vais les soigner rapidement. Et on va voir. On visite rapidement la ville. Et après, on se laissera. Parce qu'on a 32 minutes pour faire un peu autre chose que les combats. Oh, il y a déjà. Qu'est-ce qu'il nous dit le type devant la tour Pokémon? Personne ne peut entrer. Les fantômes sont réels. Et les gens enterrent leurs Pokémon morts dans leur tombe, avec eux dans leur tombe. Ok. Est-ce que tu crois aux fantômes? Ouais. Les fantômes Pokémon, bien sûr. Enfin, les ghosts, les Pokémon ghosts. Bah ouais, mais du coup, cette blague. Ah bah si, est-ce que tu crois aux spectres? Aux Pokémon spectres? Parce que je veux dire, les Pokémon fantômes, ça marche pas cette blague sinon. Bref, l'avant-ville a le taux de suicide le plus élevé de tout Kanto. Je me demande qui sera le prochain. je sais pas. On dirait que c'est un petit jeu, l'avant-ville, hein, l'auto. Allez, on fait les paris. Non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, la ville est vite visitée. Est-ce que tes Pokémon ont des noms pourris? Ennuyants, des noms pas originaux. Laisse-moi être vraiment honnête. Quel surnom il va critiquer? Bah, j'ai pas de surnom, mais on va dire que son surnom c'est Kadabra, par exemple, pas lui. C'est un nom horrible, change-le maintenant. Eh, c'est un gamin maintenant qui nous change de nom, c'est plus le vieux mec là. Le vieux gars là, bah le vieux, hein, tout court même. Donc ici, c'est quoi? C'est horrible fusée ou Team Rocket, il me dit? Je pense que c'est. Ouais, ça va être la Team Rocket. La pauvre mère de mon. Enfin, pauvre maman de mon osselet. Ils l'ont tué et ils ont vendu son crâne. Juste pour. Enfin, juste dans le but de vendre ensuite son crâne. C'est horrible. Ouais, elle est un peu hardcore, la Team Rocket, dans ce jeu. Bon. Ouais, la ville est vite visitée. Bon, après, il y a plein d'autres personnages. Je leur reparlerai pour être sûr qu'il n'y a rien à manquer, pas d'objet à manquer. Je leur reparlerai. Parce que là, il y a 15 personnages dans la ville, si on leur parle à tous. Et puis je referai le plein d'objets. Là, j'étais en train de regarder les objets, mais je referai le plein d'objets épisode prochain. On a les bidonvilles aussi, qu'on peut. Vous voulez qu'on visite ensemble? Ou alors, je ferai les dresseurs et s'il y a des objets, tout ça, on les découvrira ensemble. Parce que là, les dresseurs, on a déjà fait vraiment beaucoup de combats pour aujourd'hui, donc je préfère pas en faire plus. On va se laisser, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, en tout cas. Ça fait un bon épisode de presque. Ouais, de 35 minutes. C'est passé vite, hein, en vrai. Purée. Parce que des fois, quand je regarde des vidéos, je me dis 35 minutes, c'est un peu long. Mais quand je fais la vidéo, je parle, j'raconte ma vie. Là, par exemple, je suis censé terminer l'épisode et je parle. Bref, écoutez, je suis comme ça. Je suis bavard, même dans la vie, hein, je parle pareil. Par exemple, la dernière fois, il y a ma colocataire. Je sais pas pourquoi elle fait ça, elle regardait ma vidéo. Et j'étais à côté.
Et à un moment, genre quand je parle de, voilà, de la corruption, et je dis dans la vidéo, c'est la corruption, c'est acheter le silence. Et genre dans la vidéo, je fais une réflexion, je dis, c'est beau putain. Et au même moment, à côté d'elle, en face, je me fais la même réflexion, en oubliant que j'avais fait cette réflexion en vidéo. Ça pour dire que je suis le même gars hors vidéo qu'en vidéo. Voilà. Bref, du coup, je suis bavard aussi en vrai. Je raconte toujours un peu ma vie, mais voilà, je suis comme ça. Bref, je vous laisse. Excusez-moi. Je vous dis à très bientôt pour la sixième partie, puis pour d'autres vidéos peut-être. Parce que j'ai regardé d'autres vidéos découvertes que j'aimerais faire, d'autres vidéos, d'autres jeux que j'aimerais présenter. Puis ouais, pour l'instant, j'ai pas trop d'autres projets, d'autres concepts de vidéos à faire à part découvertes et let's play. Peut-être un ou deux tutoriels parce qu'on m'a redemandé de faire des tutoriels. Donc je reviendrai peut-être aussi avec des tutoriels. Voilà, faut que je réfléchisse. Bah, là, c'était juste histoire de prendre le rythme que je fais ces quelques épisodes. Voilà. Bon, cette fois, c'est la bonne. Ça fait 2 minutes que je parle alors que j'ai dit que j'arrêtais l'épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye!